c'est une chambre avec balcon. Donc lorsque vous arrivez sur le bateau, vous retrouverez donc directement sur le lit les cartes concernant la chambre, mais aussi le programme du jour et autres points d'information. Donc lorsque l'on rentre dans la pièce principale, donc on a directement le lit, donc avec deux petites tables de chevet, hein, de part et d'autre du lit, des éclairages au-dessus, des petits coussins, donc des lumières en fait adossées à chaque chevet. Pour les éteindre, il faut juste appuyer là. Hop. Donc la télécommande, ce qui concerne la télé. On a ici deux petits tiroirs de rangement pour pouvoir poser vos affaires. Donc vous retrouverez aussi des serviettes que vous pourrez utiliser tout simplement à la plage ou alors à la piscine. Donc de l'autre côté, on retrouvera le téléphone. Donc un téléphone pour pouvoir contacter la réception ou alors le centre médical ou tout simplement programmer une heure de réveil. Donc les deux petits tiroirs aussi, hein, de chaque côté. Donc dans un des tiroirs, vous retrouverez aussi les panneaux pour commander des petits déjeuners. Des blocs-notes avec un stylo. Des interrupteurs pour éteindre la lumière qui est directement sur le lit. Juste à côté, donc, on trouve un canapé deux personnes avec une petite table basse, un joli cadre, des éclairages. Juste en face, on aura donc une commode avec deux tiroirs, un pour les rangements et un pour le sèche-cheveux. Un miroir avec quelques prises ici, des prises USB si jamais vous voulez brancher des appareils électroniques directement. On a un petit tabouret et enfin le minibar juste à côté avec quelques consommations et des apéritifs. Un seau à glaçons juste ici, avec deux petits verres, de l'eau plate et de l'eau gazeuse, des étagères, un écran plat, un petit écran plat, pour regarder la télé, de la décoration, un grand miroir, juste en face du lit, donc juste à côté de la porte de la salle de bain. On retrouve un écran en fait qui va permettre de régler la température de la climatisation. Un interrupteur pour allumer la lumière de la salle de bain. Et sur le volet de droite, on retrouvera du coup des placards avec des étagères en bas, quelques cintres, une penderie, les gilets de sauvetage. De l'autre côté, c'est pareil. Donc, de ce côté-là, il y a énormément de tiroirs. Un coffre avec un code, un petit coffre, hein. On ne peut pas rentrer un ordinateur portable, mais bon, s'il y a des effets personnels à conserver, ce sera ici qu'il faudra les mettre. Et enfin, le dernier volet, donc là, une penderie un petit peu plus grande, dans lequel on pourra largement y mettre quelques valises. Ensuite, donc on a ici la salle de bain. Le tour de la salle de bain. Donc sur la porte, deux petites penderies, voilà, du carrelage ou imitation de carrelage au sol. Non, on dirait c'est du vrai carrelage. C'est du vrai carrelage. Donc, un WC, quelques serviettes au-dessus, des serviettes aussi en face, un évier, donc tout est de couleur blanc, c'est très clair. Avec un mitigeur, deux petits verres pour poser les brosses à dents ou autres, quelques étagères, des éclairages. Ensuite, sous l'évier, placard, donc du papier toilette, un distributeur à mouchoirs, une corbeille, et enfin l'espace douche, juste là.
donc avec un rideau de douche, un mitigeur thermostatique, distributeur de produits, un pour le gel corporel et un shampoing, et enfin une colonne de douche avec des espaces pour les rangements. Donc nous avions pris ici une cabine avec balcon. Donc on est en fait au 9e étage. C'est la chambre 9016. Donc on a du coup un balcon. Il y a un petit bouton pour pouvoir ouvrir la... Voilà, donc on arrive ici avec deux chaises, une table. Et voilà. Donc en fait, on est vraiment sur la partie avant du bateau. Donc on est sur le port de Marseille actuellement. Il y a le Costa Diadema en fait qui est juste en face. Donc on a d'ailleurs des vidéos sur la chaîne en fait concernant le Costa Diadema. Donc si jamais vous êtes intéressé par le Costa Diadema, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur la chaîne YouTube. Donc on a plusieurs vidéos associées à ce bateau. Ça vous permettra de comparer un petit peu les deux compagnies. Voilà,